Dans cette recette, nous allons découvrir comment réaliser des filets de poulet panés, qui pourront être mangés sous forme de tenders ou dans un hamburger. Pour le filet de poulet hamburger, commencez par retirer l'aiguillette et coupez simplement le poulet en deux, puis ciselez-le. Pour les tenders, il suffit de les découper de la grosseur que vous souhaitez. Pour la chapelure, versez simplement 500 g de cornflakes sans sucre ajouté dans votre robot. Et appuyez une seule fois sur la touche turbo. Pour l'assaisonnement, ajoutez 250 g de farine dans un récipient et les épices que vous souhaitez. Dans cette recette, nous avons ajouté 1,5 cuillère de gingembre, 1 cuillère à soupe de piment d'Espelette, 1 cuillère à soupe de paprika fumé, 1 cuillère à soupe de sel et un peu de poivre. Refermez le couvercle et mélangez le tout pour que les épices puissent bien se mélanger à la farine. Dans un autre récipient, cassez 2 œufs et versez 250 ml de lait. Mélangez le tout. Pour paner votre poulet, commencez par tremper un filet de poulet dans le mélange de farine et d'épices. Immergez-le ensuite dans le mélange de lait et d'œuf, puis retournez dans le mélange de farine. Trempez une dernière fois le filet de poulet dans le mélange de lait et d'œufs avant de le passer dans la chapelure. Faites de même pour tout le reste de vos filets. Dans une huile bien chaude, faites frire vos poulets. Une fois qu'ils sont bien dorés, vous pouvez les retirer de la casserole et le tour est joué. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de sonner la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos et si cette vidéo vous a plu, de mettre un petit pouce.